Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de Undertale sur Nintendo Switch. Je suis super content qu'il sorte parce que vous avez été énormément à me parler de Undertale et je n'ai pas cédé eh bien, à la pression de vouloir le tester avant. Donc on va pouvoir le tester et le découvrir tous ensemble. En tout cas, moi je le découvre. Il y a longtemps, deux races gouvernaient la planète, les humains et les monstres. Un jour, une guerre a éclaté entre les deux races. Très bien, on est sur un jeu en anglais hein, sur la Switch, hein. Vraiment il n'est pas disponible en français sur la Switch. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. D'accord, très bien. Ils ont décidé d'enfermer les monstres sous terre avec un sort absolument magique. Plusieurs années après... Oui, on est sur un suspense. Le mont Ebot. Entre 2010 et 2019, voilà. On est encore dans les temps. La légende raconte que personne ne revient de l'ascension de cette montagne. On est devant une petite fille qui est devant un... Bah, qui se prend les pieds parce qu'elle est pas douée, déjà de base dans des racines, et qui va tomber. Voilà. Je pense que c'est le début de l'histoire. On est sur une petite fille qui tombe dans un gouffre, qui s'explose la tronchetta sur le sol, et l'histoire va très certainement commencer là avec ces petites musiques. Ah, je suis déjà en train de kiffer cette petite musique, les amis, je vous le dis déjà. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Alors. Boum. Oh, le petit bruit de présentation du menu va être bon. Allez, pressez tous les boutons, confirmez. Quand c'est le menu in-game, ok. Commencez le jeu. On va s'appeler EMB. Hein, on va faire dans le grand classicisme. Voilà, EMB. Down. Est-ce que ce nom est correct? Oui, absolument. Alors. Ouh, ça fait peur. Et quand j'ai dit que je testais Undertale à des abonnés sur Discord, ils m'ont dit « Bon jeu ou bonne mort ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah d'accord, on bouge avec le joystick gauche, on se réveille dans un lit de fleurs, c'est certainement là où on est tombé dans la petite cinématique d'intro, et du coup on va avancer pour voir un petit peu ce que ça donne tous ensemble. Il y a une grande porte au fond de ce couloir. Veux-tu rentrer? Bonjour, je suis Flowey. Flowey la flower, la fleur. Tu es nouveau dans le souterrain, n'est-ce pas? Bon, tu dois être un petit peu confus. Quelqu'un doit t'apprendre un petit peu tout ce que tu dois savoir ici. Je suppose qu'une vieille... Ouais, une petite vieille comme moi pourra t'aider. Ok, bah, c'est prêt? Allons-y. Alors, est-ce que tu vois ce cœur? Ceci est ton âme. C'est la somme de toutes les choses qui font ton être. Ton âme commence quand tu es vraiment faible, mais tu vas devenir de plus en plus fort au fur et à mesure que tu vas gagner de la vie. À quoi sert la vie? Eh bien, à l'amour, bien évidemment. Ah, c'est joli, ça. Est-ce que tu veux de l'amour? Tu veux de l'amour, pardon. Ne t'inquiète pas, je vais en partager un petit peu avec toi. Mais c'est sympa, ça. Friendliness plants. Est-ce que tu es prêt? Attention, je vais te donner plein d'amour. Oh, nous donne plein d'amour, c'est trop mignon. Oula. Ah d'accord, ok, donc la fleur directe, en fait, elle nous troll et elle nous dit « Dans ce monde, espèce de petite idiote, c'est soit tuer, soit être tué. » Donc du coup, elle nous a enlevé plein de vie. Pourquoi est-ce que... Wow, pourquoi est-ce que quelqu'un te donnerait de l'amour comme ça, espèce d'idiote? Wow, meurs. Quoi? Mais je veux pas... Mais sans déconner? Ah, j'ai retrouvé toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? Oh là, c'est fait dégommer. Bonjour. Quelle terrible créature qui te torturait. Qu'est-ce que tu es une pauvre petite innocente. Ne sois pas effrayée, mon enfant. Je suis Toriel. Je suis la gardienne de ces ruines. Je passe ici tous les jours pour voir si quelqu'un n'est pas tombé. Tu es le premier humain qui vient depuis un long moment. Viens, je vais te guider dans les catacombes. Ok, par ici. Je vous suis. Je vous suis, madame. Je veux savoir. Alors, du coup... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a un truc, là. Ok. Ok, là, on vient de récupérer tous nos PV. On peut sauvegarder. Ok, très bien. Alors. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petite innocente. Permets-moi de t'éduquer à comment ça se fonctionne dans ces ruines. Ok. Ok, les ruines sont pleines de puzzles. Ok... Ah, il faut comprendre l'anglais, sinon ça va être compliqué. Hein. Ok, il faut que je m'y fasse en gros. Ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut que je me fasse au puzzle qu'il y aura là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ça là-dessus?
Seulement ceux qui sont sans peur pourront continuer. Pour progresser, tu vas devoir exceller dans ce que tu fais. Ne t'inquiète pas. Ouais, on est sur de la traduction approximative, je sais. On va faire ce qu'on peut. J'ai envie d'appuyer sur ce bouton. Hein. Voilà. En même temps, moi je vois des boutons, j'appuie dessus. Magnifique. Je suis fier de toi, petite chose. Allons jusqu'à la prochaine... Jusqu'à la prochaine pièce. En tant qu'humain vivant dans les souterrains, les monstres vont t'attaquer. Il faut te préparer à cette situation. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ça fonctionne quand tu bats contre des monstres. Pendant que tu fais un combat, strike up for a friendly conversation, ok. Stop for time, I will come to resolve the conflict. Je vais venir t'aider. Ok, alors attends. On va s'entraîner en parlant à cet idiot. Ok, vous avez rencontré l'idiot, the dummy. Alors du coup, comment ça marche? Fight. Ah d'accord, il faut frapper dans l'œil au milieu de ça. Ok, vous avez gagné, vous n'avez gagné 0 d'expérience et 0 d'argent. Mais pourquoi? Je veux de l'argent, moi. Ah, il faut leur parler. Ok, donc les idiots ne sont pas faits pour être combattus, ils sont faits pour leur parler. Il y a d'autres puzzles dans cette pièce. Je me demande si tu pourras les résoudre. Eh bien écoute, je vous suis, madame. Ah d'accord, on rencontre les monstres au hasard comme ça. Ok, une petite grenouille. Attaque la grenouille et... Ah, je l'ai raté. En fait, il faut viser vraiment au milieu, au centre du truc. D'accord, elle est fait partir si jamais... Elle est fait partir si on les babat dès le départ. Ok. Donc on y a vraiment des rencontres aléatoires de monstres. Alors. Alors, c'est le puzzle, mais... Voici... prends ma main pendant un moment. D'accord, elle peut passer par-dessus, genre en mode tranquillou. Ah, d'accord. Ah, le puzzle, c'est que ça s'ouvre. Ça s'ouvre au fur et à mesure et que... D'accord, sinon on aurait perdu de la vie. Ok. C'est trop mignon. Ok, ces puzzles semblent beaucoup trop dangereux pour l'instant pour toi. Tu as été très bonne pour l'instant, mon enfant. Mais il va y avoir... j'ai une requête difficile à te proposer. Je veux que tu marches jusqu'à la fin de la pièce toute seule. Pardonne-moi pour ça. Ouais. Ok. Et c'est-à-dire, pourquoi pardonne-moi pour ça? J'ai peur de ce qui va me tomber sur le coin de la tronche. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche? Pourquoi tu me dis pardonne-moi pour ça? Moi, je marche dans les clous, hein. Je reste dans les clous, on va marcher comme ça. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche, hein? Je sais pas si vous arrivez à comprendre ma traduction approximative au fur et à mesure du jeu. Je fais ce que je peux au niveau de la traduction anglaise. Tiens, c'est quoi ça? Ah tiens, ah, c'était caché, j'ai trouvé. Bravo mon enfant, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné. J'étais derrière ce pilier depuis tout le temps. Merci pour ta confiance. Toutefois, il y a une importante raison pour cet exercice, pour tester ton indépendance. Je vais te confier une sérieuse quête et il va falloir que tu sois toute seule pendant un bout de temps. J'ai une idée, je vais te donner un téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Et sois safe. Ring. Hello, ici Toriel. Bonjour, c'est Toriel. On me demande si j'ai pas quitté la pièce parce que j'avais demandé de rester dans la pièce et justement de ne pas aller me balader pour ne pas souffrir. Il y a plusieurs puzzles qu'il faudrait que je t'explique. Ça serait compliqué et ça serait dangereux d'ailleurs de le résoudre toi-même. On est dans une grosse phase de tutoriel là, hein, clairement au début. Soit safe, donc soit... Attends. Ok, ça c'est vraiment pour remporter de la vie. Soit safe, je sais plus comment dire en français. Tiens, on va attaquer ce monstre. On peut attaquer les monstres ou pas? Excuse-moi humain, j'ai quelques conseils pour toi. Si tu combats... Ok, donc c'est vraiment jusqu'à ce qu'on... Soit on leur parle, soit on les défonce jusqu'à ce qu'on finisse. Si un monstre ne veut pas te battre, tu peux utiliser... Merci, c'est... Ouais, tu le laisses en fait, hein, voilà. Mais j'ai plus le mot en tête, mais c'est pas grave. Ah, attends, on peut aller par là? C'est quoi ça? Ça se dit prenez-en, est-ce qu'on prend un morceau de gâteau? Oui. Et du coup, dans les objets, on a un morceau de gâteau. Monster Candy, use. Ok, en fait, on va en prendre. En fait, c'est comme une potion, en fait. Hein. C'est pour redonner de la vie. Ok, très bien.
Bon, alors. On va avancer tout seul. Ah! Mais d'accord, direct. Ok, donc c'était pas le bon passage. Ah d'accord, ok, bah très bien. Allez, petit combat. Allez, vas-y, et... hop là! Vas-y, dis-moi qu'on lui a fait des dégâts, non? Wow! Il nous fait max de dégâts! Mais il nous fait un mort de dégâts, ce petit grenouille, hein! Regarde ça, regarde! Mais c'est terrible! Ok, on l'a eu. Ok, 3 d'expérience et 2 d'or. Ah, téléphone. Bonjour, c'est encore Toriel, pour aucune raison particulière, mais... Est-ce que tu préfères la cannelle ou le butterscotch? Butterscotch, qu'est-ce que c'est butterscotch? Je ne sais plus. J'aime bien la cannelle, on prend la cannelle. Ok, bah ok, très bien. Encore? Est-ce que tu ne détestes pas le butterscotch, Jean-Yu Do You? Bah... On me demande si on déteste vraiment le butterscotch. Butterscotch quoi, beurre de... Ah, beurre, non, pas beurre de cacahuète, non, non. Butterscotch, je sais pas, parce que c'est Moscotch en fait, hein, voilà, en français, moi je suis mauvais là-dessus. Alors attends, ça on peut pousser le caillou dessus pour ouvrir. Ok, petit combat. Et on a plus que 8 de vie, quoi. Non, 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 c'est pas ça, non, je voulais pas faire ça. On va mourir. Acte. On peut lui parler? Check, check. Ah d'accord, on peut bouger son cœur en fait. Ah, d'accord. J'avais pas compris. En fait, vous pouvez bouger votre cœur avec le joystick pour pas que ces attaques vous touchent. Regarde, dans le petit carré, en fait, vous pouvez bouger votre cœur. Mais c'est génial. Bon, du coup, je suis décédé parce que je le savais pas. Mais c'est trop bien. Du coup, tu peux vraiment esquiver les attaques de l'ennemi. Oui, bon, c'est le premier game over. Apparemment, c'est normal. EMB, reste déterminé. T'inquiète pas. En plus, ça rime. T'inquiète. Ah, c'est fort. Ah, c'est plutôt sympa les petits mécanismes de combat comme ça. Du coup, ça veut dire qu'on peut ne pas se faire toucher si on est bon. Attends, on va essayer. Tu sais quoi? Attends. Pas se faire taper par la grenouille. Ok, c'est bon. Attends, peut-être pouvoir parler au prochain ennemi aussi. En fait, c'est des petites mouches en fait qu'elle nous envoie. Allez, tiens, mange-toi ça. J'aime beaucoup le principe des combats déjà. 3 d'expérience et 2 d'or encore une fois. Donc, du coup, c'était pas celui d'à côté. Ah, d'accord, on a l'impression qu'on peut pas passer du tout. Allez, viens là. Ok, là, on va retourner dans la pièce avec le rocher. Ah, elle nous rappelle? Ah, d'accord, elle nous repropose la même chose. Ah, d'accord, elle nous repose, mais elle a compris, puisqu'elle nous dit « Ne me dis rien, finalement, c'est la cannelle que tu préfères. » Ouais, j'ai eu un pressentiment. D'accord, d'accord. En fait, on repop et j'ai l'impression qu'elle oublie tout ce qui s'est passé, entre guillemets, tu vois. J'ai l'impression, la première fois que je t'ai vu, d'avoir vu un vieil ami que je connaissais déjà, c'est assez étrange. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un... d'historiel. Pourquoi tu... Elle me repose la même phrase que tout à l'heure, en me disant que je déteste pas le butterscotch, mais patati patata. D'accord, je pense que c'est dans le tutoriel, vraiment, où on se retape les discussions comme ça. Ok, vas-y, un ennemi. On est sur quoi? Attends. Ouais. Boum. Ah bah direct, bon écoute, au revoir. 2 d'expérience et 2 d'or, est-ce qu'on... Ah encore, bonjour. Tu n'as pas d'allergie? Pourquoi je suis en train de demander ça? Pour nos raisons. J'ai l'impression qu'elle veut nous la faire à l'envers quand même, parce qu'elle nous demande ce qu'on aime, elle nous demande nos allergies et tout. J'ai vraiment l'impression qu'elle cherche à nous la faire à l'envers. Hein. Ah, crotte. Bon bah écoute, on va passer par en dessous. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est le passage. Donc en fait, il faut passer tout à droite. 1... Alors 1, 1, 1. Et après c'est la fin. D'accord, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup le principe. Attends deux secondes. On va attaquer d'abord la grenouille parce que c'est elle qui fait le plus de dégâts. Et j'ai l'impression que c'est celle qui prend le plus de trucs. Oula. Oh punaise. Waouh. Oui d'accord, on est... J'adore le principe de ces combats. Attends, on va parler... consoler. Ah, c'est fort, on lui a parlé et en fait, je vais essayer de la consoler. Du coup, elle a fondu en larmes et elle s'est barrée. C'est énorme. Check. Complimenté. La grenouille ne comprend pas ce que vous dites, mais est flattée quand même. D'accord. Bah ok. Mais c'est énorme ce principe. Vas-y, on va combattre la grenouille quand même. Allez, boum. Ah ok. Il reste encore un petit peu de dégâts à lui faire. J'adore le principe de... Ah, je me suis pris un peu de dégâts. Ah zut, je l'ai épargné. Bon, c'était pas voulu. Je voulais pas l'épargner à la base, mais... Désolé.
Donc du coup, on a dit tout à droite, on descend, on remonte, on monte là, ici, hop, on descend, et... Et bah nickel, voilà, très bien. Alors... Est-ce qu'il faut pousser les trois rochers ou pas du tout? Alors attends, du coup on va essayer de... On va essayer de lui... de la menacer. Elle comprend pas ce que vous dites, mais quand même effrayée. Ah ouais, ouais, mais elle est effrayée, mais waouh! Ouais, d'accord, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a deux grenouilles. Bah, tu sais quoi? Je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer, puisque apparemment t'es effrayé, mais tu pars pas. On peut discuter avec les ennemis, mais vas-y, mais c'est génial. Le jeu est disponible sur le eShop. Alors, il est disponible aussi en version boîte, je le précise. Il faut le commander sur des sites anglais ou américains. Moi, je l'ai commandé en version boîte. Il n'est pas encore arrivé, c'est pour ça que j'avais hâte qu'il sorte là en version dématérialisée. Attends, oula. Mais vous pouvez le commander, alors ça va vous coûter un petit peu cher. En version démat sur le Nintendo eShop, il est disponible à 14,99€ si je dis pas de bêtises pour le prix où je l'ai acheté. Et en version boîte, j'en ai eu pour 34,99€ avec les frais de port. Donc voilà, vous êtes un petit peu plus cher. Votre amour a été augmenté, donc j'ai gagné un niveau. Très bien, ça me va. Ok, et il faut pousser les trois rochers. Attends. Ah d'accord, c'est un rocher qui parle. Qui me demande si je peux pas le parler. Est-ce que je peux lui demander de bouger? Mais il va bouger pour moi. D'accord, mais on parle à un rocher pour qu'il bouge. Non, pas par là. Attends, non, non, pas par là. Ouais, ouais, c'est la mauvaise direction. Voilà, merci. D'accord, donc on parle au rocher aussi. Ah, mais tu plaisantes ou quoi? Oui, je veux que tu restes en place. Il me demande si je veux qu'il reste en place. Et tu me donnes vraiment du travail. Ah, d'accord, donc on se fait carrément troller par les rochers du jeu. Ah, c'est quoi ça? C'est pour sauvegarder? Ouais, c'est ça. À chaque fois, on peut sauvegarder et tout. Ok, très bien. Alors, un morceau de fromage. Ce morceau de fromage est là depuis un bout de temps. Il est coincé sur la table. J'ai l'impression qu'il y a une souris là-dedans, tu vois. Regarde. Tu vois le petit trou dans le mur? Et elle veut pas, je sais pas. Je sais pas. Attends, au niveau des stats, comment ça se passe? 24. Ok, très bien. Ok, alors. Ensuite. Pourquoi il y a un fantôme là? D'accord, il est endormi dessus. Est-ce qu'ils sont déjà partis? Ce fantôme est en train de dormir. Est-ce que je le bouge pas avec de la force? Ouais. Attends, est-ce qu'on peut lui parler? Genre, on va flirter avec lui. Oh non, non, pleure pas. Ah! Mais c'est terrible! Bon bah écoute, bah je suis désolé mais bon, tu m'as pleuré dessus en même temps. D'où tu pleures sur les gens? Ça va bien, je suis désolé. Les combats, c'est génial les combats, c'est vraiment... Attends, je vais essayer de lui parler quand même. Vas-y, on va checker avec lui. Alors, on lui donne un petit sourire. Hey. Ah, ah, c'est des larmes différentes. Wow. Putain, ces larmes sont cheloues. Ah, punaise. Est-ce qu'on peut lui faire autre chose? Genre, le menacer. On lui donne un regard cruel. Dis, vas-y, c'est ça, essaye donc. Les combats sont géniaux, je trouve qu'il y a une patte d'originalité, je suis vraiment content de le découvrir avec vous, et je vous remercie beaucoup de m'avoir conseillé de prendre cet Undertale, parce que c'est tellement original dans la manière de faire et dans la manière d'être construit. Il y a vraiment une originalité monstre là-dedans. Attends, par contre on est en train de souffrir. Ok, il reste presque plus de vie. Je déteste ces larmes là, elles font tellement de dégâts. Oh purée, il me reste 3 de vie et j'espère qu'on va l'avoir direct. Hein. Vas-y. Non! Tu sais très bien que tu ne peux pas tuer les fantômes, vrai. Je suis complètement incorporel. J'ai juste diminué mon niveau parce que je voulais pas être méchant avec toi, désolé. Je vais juste rendre ça un petit peu plus chelou pour toi. Oh, je vais dire que tu m'as battu. Oh là 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 là! J'ai perdu un d'expérience? Quoi? Mais c'est quoi cet abus? Pourquoi j'ai perdu un point d'expérience? Attends. Ah, j'ai plus de gâteau? Ah, j'ai plus que 3 points de vie, quoi. Non, non, il faut que je retourne dans la pièce précédente pour récupérer de la vie, hein. C'est pas possible. Ah non, il faut que je retourne là et que reprendre de la vie parce que... Enfin, j'avais plus rien du tout. Ok. Vas-y, sauvegarder. Est-ce que j'ai récupéré toute ma vie ou pas? Là est la question. Ouais, j'ai récupéré toute ma vie. Très bien. J'ai 9 d'or. On verra à quoi ça nous sert plus tard. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, moi je suis bien là, moi je passe un bon moment. Ah, y a-t-il grenouille là? Rabbit, rabbit.
Mon ami ne veut jamais m'écouter. Quand je parle, j'y passe au suivant en appuyant sur croix. C'est vrai, en appuyant sur croix, vous pouvez passer ailleurs. Ok, je vais pas tout leur parler. Ah, bonjour. Je viens juste de réaliser quelque chose. J'ai tout nettoyé. Je pense pas avoir de je pensais pas avoir de la compagnie incessamment sous peu. Il y a plein de choses qu'il faut que je te parle. Tu peux choisir quelque chose, mais ne choisis pas plus que ce que tu peux porter. Un jour, tu pourrais voir quelque chose qui te plaît beaucoup. Tu voudrais le vouloir dans ta poche. Et tu voudras quitter la pièce avec ça dans ta poche. C'est-à-dire, la traduction est tellement approximative, c'est dégueulasse. Ah tiens, il doit y avoir un truc à tester en bas. Ah d'accord, l'interrupteur, c'est pas là. Ah, j'ai oublié qu'il y avait des combats. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais quoi? Je fais l'attaque quand même. On est quoi? On est sur la jelly, c'est ça? Ah, c'est un slime. Wouah. Wata! C'est quoi ces attaques dégueulasses? Oh là, pas ce que je voulais faire. Non! Attends. Waouh. Je trouve ça génial le principe de pouvoir bouger son petit cœur. C'est bouger son petit cœur quand même, s'il te plaît. Oula, c'est quoi ça? C'est un bug? Enfin, un bug, un insecte? On sait pas. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah, il fait... Je sais pas si vous avez vu, mais il faisait un petit peu la vague comme ça. Je sais pas pourquoi. J'adore le principe de ce jeu. On a gagné 8 d'expérience. Alors attends, est-ce que c'était pas celui-là? Je suis sûr qu'on s'est fait troller. Ah non, c'était celui-là. Très bien. Attends, il y a une petite... Il y a un truc là-bas. Genre une plante, quelque chose à récupérer. On va aller voir. C'est quoi? C'est peut-être un truc à manger, tu sais, pour avoir un petit peu de vie ou un truc comme ça. Bah pas du tout. C'était une carotte. C'était une carotte à attaquer. Bah oui, forcément, je me fais avoir. Je me dis, attends, c'est un truc à récupérer. Peut-être un truc à manger et tout. Et en fait, pas du tout. Ah, punaise. Alors si vous avez des conseils pour le jeu, n'hésitez pas, si vous connaissez déjà bien Undertale, ça me sera toujours utile, je suis toujours preneur. Allez voilà, la petite carotte elle est décédée, 6 d'expérience et 1 de vie, enfin il y a 1 d'or plutôt. Ok, normalement on a activé le truc et on va pouvoir continuer. Ouais c'est ça, ah, ouais, du coup, on va faire encore un petit combat contre 2 trucs. Ouais, bah, en fait, c'est pas lui que j'aurais dû attaquer en premier, c'est le bug, enfin le moustique, parce qu'en fait il est relou. Regarde, il balance... Oh là, j'ai plus que 6 de vie, ça va être une tanasse, hein, je te le dis direct. Hein. Regarde-le, il fait la vague. Il fait la vague, genre en mode normal. Genre, c'est normal, tu vois. J'aurais peut-être dû parler avec lui. Hein. Genre, l'effrayer. Tu sais quoi, on va essayer de l'effrayer. Regarde. Acte. Ah, on peut juste lui parler. D'accord, on peut juste lui parler. Non, il veut pas discuter avec nous, le petit moustique. Et bah, tant pis, on va devoir te buter la tronche. Tiens, prends-toi ça. Ah, il te reste encore un peu de vie, sérieux? Alors. Allez, vas-y, c'est pas grave, tant pis, ça suffira, je serai un peu mon tuto. 8 d'expérience et 7, votre niveau a été amélioré encore une fois, très bien. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. C'est un petit bouton que vous l'appuyez dessus. Ouais. Rien n'a fait. C'est un bouton que voulez-vous appuyer dessus? Oui. Rien n'a été fait. Bah écoute, on continue. Il y a des petits boutons partout. Ah, d'accord. Attends. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Si j'appuie sur celui-là. Appuyez sur le bouton. Oui. Rien ne s'est produit. Si j'appuie sur ce bouton-là. Non plus. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La porte au bout n'est pas une sortie. C'est simplement une perspective de rotation. Rien, c'est bizarre. J'ai beau appuyer sur les boutons, ça. Est-ce que vous avez noté qu'il y a un bouton bleu derrière le pilier du centre? Ah non, en haut, pardon. Non? Ah ouais! Oh. Ah mais faut vraiment checker derrière les piliers, quoi. Mais ils sont ouf! Oula. Lui, j'ai pas confiance du tout, lui. Par contre, j'ai peur de sa petite pattern. Hein. J'ai peur de la façon dont il va attaquer, lui. Ah là, oula. Oh punaise! Ok, c'est bon. Ça va le faire. Oh, il a encore de la vie. Wow, attends.
coup là, j'aime pas ces patterns là, mais pas du tout. Allez vas-y, normalement je l'ai eu. Normalement je l'ai eu là. 7 d'expérience et 5 d'or, ok. Alors il va faire attention aux boutons cette fois-ci, il y en a peut-être un caché ou pas. Tu sais quoi, je vais tenter s'il y a des boutons cachés ou pas. Juste avant, je pense que c'est fait exprès. Hein. Attends, on a pu pousser le bleu, et ça sera pas encore le bleu du coup. Pas du tout. Ah non. On est revenu carrément au truc d'avant. Mais c'est ouf. Ah mais d'accord, ça va nous faire commencer au début des salles. Bah je serais bien tenté par le vert alors. Ah cette Tana, c'est toujours pas le vert. Ah mais attends, si je tente le rouge et que c'est pas le rouge, du coup... Ah c'était ça, ok. Ouais ok, je pensais que ça allait être celui-là et puis au final je me suis dit de pas le faire. Alors attends. Ah non. Ah mais c'est terrible. En fait ils ont caché un faux bouton derrière le pilier pour que t'y ailles en te disant tiens regarde, il s'est dit qu'il y avait un faux bouton, donc du coup il va le refaire. Et du coup, la question c'est, est-ce que là... Tiens, j'étais sûr. Et le jeu te troll, mais d'une force. Parce que le jeu part du principe que... Tu vas te dire, il y avait un bouton derrière le pilier. Donc, si tu vas derrière un pilier une fois et que tu te fais avoir, tu vas pas retourner derrière le pilier, tu vas tenter le bouton. Et donc du coup, par processus de pensée, tu vas retourner derrière un pilier et tout. Moi, donc je pense que c'est là. Ouais, tu vois. Donc, ça part sur le mécanisme de pensée en disant, attends, il va le faire, donc il faut qu'on le troll. Et j'aime beaucoup. On peut aller un peu partout. Tu sais quoi, je vais passer par là. On va aller voir ce qu'il y a ici. Oh mon cher. Oula. Ah merde, je suis juste en face de toi. Comment tu es arrivé jusqu'ici, mon enfant? Es-tu blessé? Qui t'a fait ça? Je te présente. Je vais devoir te présenter mes excuses. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était irresponsable. De te surprendre de ça. Je suppose que je ne peux pas cacher ça plus longtemps. Viens. Viens avec moi, petite chose. Attends, tu sais quoi, je sauvegarde quand même. On sait jamais. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Je pense que c'était déjà un petit peu long. Est-ce que tu sens ça? Surprise. C'est du butterscotch cinnamon pie. Ah, ok. C'était pour célébrer ton arrivée. J'espère que tu vas avoir un bon moment en vivant ici. Ok, voilà. J'ai une autre surprise pour toi. Ok. Ok, il y a carrément une maison sous terre, quoi. C'est une chambre ring pour toi. J'espère qu'elle te plaira. Oh, c'est trop mignon, elle nous passe la main dans les cheveux. Genre, petit chat. Trop mignon. Fais comme chez toi. Oh, c'est trop mignon. Oh, il y a ma petite part de tarte. Tu trouves une petite part de butterscotch. Tu sais quoi, butterscotch, ça serait bien qu'on regarde un petit peu ce que c'est. Parce que si c'est complètement dommage. Butterscotch, tu sais quoi, je le fais pas là. Butterscotch. Butterscotch, caramel au beurre. D'accord, caramel au beurre. Butterscotch, bah j'aurais dû dire que je préfère les caramels au beurre, carrément. Je préfère les caramels au beurre, moi, que la cannelle. Ça doit être sa chambre à elle. Attends, y'a pas un truc à lire là? Ça c'est le journal de... Est-ce que vous voulez lire le passage qu'elle a entouré? Oui. Pourquoi est-ce que les squelettes veulent un ami? Parce qu'ils se sentent seuls dans leurs os. Et c'est le reste... je pense que j'ai pas compris la blague. Parce qu'ils font de vieux os. Parce qu'ils font de vieux os, je pense. Je pense que c'est ça. Ok, il y a une pièce en rénovation. Pourquoi ils se sentent seuls? Ils se font de vieux os. Enfin, je suppose. C'est une blague. Voilà, c'est une blague que je n'ai pas compris. Ok, très bien. Voilà, on est sur de la moquerie, tout ça, tout ça. Tu sais quoi, j'ai pas envie de visiter la maison, j'ai envie de me barrer. Hein. Voilà, on se casse. C'était très gentil chez elle, elle nous a donné une part de tarte, mais on repart à l'aventure. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a par là? La musique est bonne quand même, c'est vraiment chouette. Hein. Oh, un couteau. On a trouvé un couteau en plastique. Et du coup, est-ce que... Ok, on a équipé le couteau. Donc ça, c'est la ville sous terre, quoi. Donc il y a carrément une ville qui a été faite sous terre et tout. Donc on a coupé le couteau. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de dégâts, je suppose. Il faut sûrement passer par là, je pense. Tiens, on va aller voir ce qu'il y a par ici. Ah tiens, elle est en train de lire son petit livre. Je te laisse lire, tu sais quoi. Est-ce qu'on peut... Tiens, alors c'est la cuisine. Est-ce qu'on peut ouvrir le frigo? Il y a une nouvelle barre de chocolat dans le frigo, très bien.
par ici. Oula. La musique qui change, qui fait à peine... Oula. Je pense que tu devrais jouer à l'étage plutôt. Mais... Non. Non, je veux aller par là. C'est dangereux de jouer ici. Et je peux pas partir? C'est quoi, je le retente encore une fois. Il fait froid ici, tu vas attraper froid. Je veux aller par là. Tu vas te calmer, oui. Ah, qui c'est qui décide? C'est sale ici. Non mais... En fait, à chaque fois, elle nous trouve une fausse excuse. Elle en a combien des excuses? Il n'y a rien à voir par ici. Non mais attends, mais c'est pas possible, je m'en fous, moi, elle en a combien des excuses? Est-ce que tu veux lire un livre? Les lignes de discussion sont énormes, ils en ont mis combien? Zemia, tu pourrais faire une vidéo rien qu'avec ça. Je n'aime pas du tout le jeu que t'es en train de jouer avec moi. Je m'en fiche, je veux y aller quand même. Comment faire péter un câble à quelqu'un? Pourquoi tu ne veux pas aller faire un tour dans le jardin? Mais c'est incroyable! Ça peut durer une éternité comme ça? Bon, réellement maintenant? Ça suffit, hein, elle me dit. Tu penses vraiment qu'elle va... Ah d'accord, il n'y a plus de ligne maintenant. C'est-à-dire que maintenant, c'est trois petits points et elle va péter un câble. Je vais lui faire péter un câble. J'ai l'impression... Une dernière fois, et si elle me fait les trois petits points encore, c'est qu'elle va vraiment péter un... C'est-à-dire le gamin qui est complètement insupportable, tu vois? Non, je pense que là, il n'y a plus rien à faire et on est allé au bout des lignes. Mais du coup, peut-être aller lui parler? Le mec voulait faire péter un câble à son hôte. Déjà réveillé. Je suis content que tu sois avec moi. Il y a tant de livres ici que je voudrais partager avec toi. Je vais te montrer mon favori bug hunting spot, ok? J'ai aussi préparé un curriculum pour ton éducation. Ça pop peut-être comme une surprise pour toi. Mais j'ai toujours voulu être un professeur. Mais peut-être que ce n'est pas vraiment une surprise. Quoi qu'il en soit, je suis content de t'avoir pour vivre avec moi. Est-ce que tu veux quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux rentrer chez moi? Quoi? C'est ici ton chez-toi maintenant. C'est un peu flippant, madame. Est-ce que tu veux entendre d'autres histoires? Mais je veux rentrer chez moi! Je suis tombé dans un trou, j'ai mes parents qui m'attendent, ils avaient préparé le repas, ils avaient préparé un bon bœuf bourguignon et tout, je m'en fous maintenant de comment utiliser tes bouquins, là. Dis donc! On va lui demander des références sur les ruines. Est-ce que tu sais... Parle concrètement de Just Kidding. Je plaisante, c'est intéressant. How to exit. Yeah. Ouais. Bon, viens me reparler si tu as besoin de quelque chose. Est-ce que je retente les escaliers ou pas? Je vais retenter les escaliers quand même. Peut-être qu'elle est en train de lire ses bouquins et va me laisser tranquille. Ah non, d'accord, on va lui faire péter un câble littéralement. C'est-à-dire, le gamin, il sait plus quoi faire, il... Ou alors, je retourne dormir, sinon. Bah écoute, on va retourner dormir. Voilà. Quand tu ne sais pas quoi faire, fais la sieste. Attends, peut-être qu'elle est en train de pioncer, là. Attends, il faut peut-être y aller à un moment où elle est en train de dormir, tu sais. On attend. Vas-y, dis-moi qu'elle est en train de dormir. Ou alors, je dors dans son lit. Attends. Il y a la fleur, là-haut, qui est toute jaune. Ok, ça nous explique un peu les plantes. Je sais pas du tout. Parce que du coup, on peut pas passer par l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller leur parler peut-être? Qu'est-ce qu'il y a? Comment sortir des ruines? J'ai quelque chose à faire, reste ici. Tu vas où? Peut-être qu'elle est dans le souterrain cette fois-ci. Être. Ouais, elle est là. Ok, elle est là. Tu veux savoir comment retourner chez toi, c'est ça? C'est la sortie pour sortir des souterrains. Je voulais les détruire. Plus personne ne sera en mesure de sortir. Maintenant, reçois un bon enfant et retourne en haut. Certainement pas. Je veux sortir. T'es un peu chelou, madame, quand même. Chaque humain qui tombe ici... subit le même destin. Je l'ai vu encore et encore. Ils viennent, ils partent, ils meurent. Petit enfant naïf, si tu quittes les ruines, ils te tueront. Je veux juste te protéger, est-ce que tu comprends? Va dans ta chambre. C'est à peine flippant.
N'essaye pas de m'arrêter. C'est ton dernier avertissement. Pourquoi tu veux quitter ces lieux, hein? Tu es juste comme les autres. Il n'y a qu'une seule solution à ça. Prouve-moi que tu es plus fort que les autres pour survivre. Ah d'accord, on va attaquer directement notre madame. Elle a un max de vie. Elle a un max de vie, sa maman. Sa maman la chèvre. C'est le cas de le dire. Ah! Attends. On va manger ça. Calme-toi. Ça va bien se passer, je te le dis, ça va bien se passer. Mais elle a tellement de vie. Et c'est chaud d'éviter tous les trucs à chaque fois. Et mais elle a un max de vie, mais c'est une tanasse, hein, les gens. What a... Mais vas-y, mais on prend tellement cher. Stick. Oh là là, ça servait à rien ce que je viens de faire. On va crever comme une vieille bouse. Faut pas lui parler. Talk. Vous ne pouvez pas penser à un seul sujet de conversation. En fait, j'aurais dû l'attaquer dès le départ, j'aurais même pas dû essayer de parler ou quoi que ce soit. Ah, d'accord, ça... Oh, regarde, ça évite en fait nos trucs. En fait, j'ai l'impression qu'elle peut... Qu'on va gagner absolument, là. Parce que du coup, on prend plus de dégâts. Regarde, les choses nous évitent, en fait. Ok, là, toutes ces attaques nous évitent. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour qu'on puisse la battre. Sinon, on pourrait pas continuer le jeu. Tu vois, 348 de dégâts, c'est vraiment le jeu nous a aidé un petit peu là. Ok, tu es fort. Tu es assez fort. Écoute-moi, petite chose. Si tu vas plus loin que cette porte, continue de marcher aussi loin que tu peux. Et éventuellement, tu pourras atteindre la sortie. Asgore, ne laisse pas Asgore prendre ton âme. Son plan ne peut pas aboutir. Tu seras gentil, n'est-ce pas, mon enfant? Oh! Oh non! Je suis en train de surréagir! Oh non, il est sorti tellement naturellement! Ce petit cœur qui s'est coupé en deux, quoi! Mais c'est terrible! C'est sorti tellement. Ah non! Le couloir est long. Ah, elle nous a dit de continuer à marcher et. Alors là, on n'a plus de musique, on n'a plus rien. Juste le calme plat. Ah, on retrouve la fleur! J'espère que t'as aimé ton choix. Après tout, c'est pas comme si tu peux revenir en arrière et changer ton destin. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Elle a tellement essayé de sauver les humains, mais quand ils viennent ici, elle ne peut même pas se sauver elle-même. Quelle idiote! Tu vas m'attaquer, toi, la petite fleur, là? T'as le méchant du jeu, c'est une fleur? C'est terrible! C'est un tournesol, quoi, le méchant du jeu, quoi, c'est terrible! Non mais... Et du coup je pense qu'on a fait toute la séquence d'introduction cet Undertale. Oh là là. Eh mais je suis en train de kiffer quoi. Toby Fox. Ouais. Je suis en train de kiffer la façon dont le jeu est fait. C'est plein d'originalité. C'est... Alors attends. Il y a une caméra cachée dans... Non mais sérieusement ? On est dans une forêt souterraine. Il y a une branche au milieu. Oula. Pourquoi la branche s'est cassée toute seule? C'est légèrement inquiétant quand même, moi je te le dis ça. On vient de... Vous l'avez vu aussi, là? Vous l'avez vu aussi, je suis pas tout seul.
Je suis en train de checker le bord de l'écran là au cas où. C'est quoi ça? Bah retourne-toi! Y'a quelqu'un derrière toi! Humain. Ne sais-tu pas. A great new pal. C'est-à-dire, qu'est-ce que. Retourne-toi. Et secoue ma main. Secoue ma main. Serre-moi la main. Secoue-moi la main. Genre, ok, très bien, voilà, tiens, voilà, je t'ai shaké la main. La traduction complètement. Oh! Il est en train de péter là. C'est ça, il a pété. C'est énorme, le vieux bouton péteur dans la main, c'est toujours drôle. Quoi qu'il en soit, t'es un humain, non? C'est hilarant. Je suis Sans le squelette. C'est de lui dont vous parliez tout le temps, d'accord. Je suis censé vous observer, mais tu sais, je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche un petit peu de vous capturer. Maintenant, mon frère, Papyrus, c'est un chasseur d'humains fanatique. Actuellement, c'est lui quelque part par là. J'ai une idée. Avance à travers cette porte. Gate, c'est pont d'ailleurs, de ce pont. Va tout droit. Ok. Dépêche-toi, va derrière cette lampe. Quoi de neuf, mon frère? Tu sais quoi, mon frère? Ça fait 8 jours et tu n'as toujours pas recalibré ton puzzle. Tu marches juste dans la station sans rien faire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi, bordel? Il regarde la lampe, it's really cool. Non, je veux pas. Je n'ai pas de temps pour ça. Et si un humain arrivait maintenant? On n'est pas prêt. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut que je sois la personne qui va capturer un humain. Ensuite, le grand Papyrus aura toutes les choses qu'il mérite. Respect, recognition. Je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens demanderont tout le temps de être mon ami. Ok, très bien, il veut juste avoir des potes en fait. Peut-être que cette lampe t'aidera. Sant, tu n'es pas du tout en train de m'aider. En fait, il veut me faire avoir ou quoi? Tu deviens de plus en plus feignant. Eh, attends, calme-toi. J'ai pas mal de choses à faire. Skeleton. Oh, putain, vas-y, mais en fait, on a des blagues en anglais, mais... Avec le petit clin d'œil. Comment t'es en train de rire? Je suis en train de rire et ça m'énerve. Ah, c'est chaud de comprendre en anglais, vraiment ça va être compliqué. Tu vois, je comprends même pas toutes les blagues, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait pas la traduction en français sur Switch. C'est dommage parce qu'apparemment il était traduit en français sur PC, sur Steam, je crois. Je vais aller refaire mes puzzles. Et il faut que j'aille travailler dessus. Hey! Ok, on se va. Ok, tu peux sortir maintenant. Ok, et c'est quoi ça? C'est un checkpoint. Il y a des bouteilles de ketchup, de moutarde. Ok, on peut passer derrière? Ouais. Ok. Il y a deux petits machins qui me paraissent un petit peu chelous ici là. C'est quoi ça? Est-ce qu'on va lui parler ou pas? Bah écoute, on va avancer un petit poil. Est-ce qu'on pourrait pas sauvegarder? Est-ce que tu peux me faire une faveur? J'étais en train de penser. I've been kind of down. Il a été un petit peu triste dans les temps, regarde ça comme ça. Il n'a jamais vu d'humain avant. Et s'il te voyait, ça ferait sa journée. Ne t'inquiète pas, il n'est pas dangereux. Bah il a l'air un peu quand même. Même s'il essaye de l'être. Je te remercie un million de fois. Ok. Bah écoute, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Attends. Tu sais quoi, je veux juste ouvrir le petit coffre qui est là-bas. Ah, 40 minutes? Non, la vidéo fait 40 minutes? Tu déconnes? Non, j'ai pas fait une vidéo 40 minutes quand même. Oh purée. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh là, oula, attends. Oh purée, j'ai pas vu le temps passer là, je t'avoue. Ah oui, d'accord, donc on est clairement sur une vidéo qui va être méga longue. Attends, je détruis cet oiseau bizarre, ce poulet là, et je sauvegarde et on va s'arrêter là.
Ok, on a gagné 22 d'expérience et notre niveau a augmenté. Très bien. Bah écoute, on continuera ça peut-être en live ou je continuerai de mon côté. En tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'Undertale en ma compagnie. J'espère que cette petite découverte vous a plu. En tout cas, moi j'ai surkiffé cette découverte. Je remercie beaucoup les abonnés qui m'ont conseillé de prendre cet Undertale parce que je suis vraiment en train d'apprécier. Je l'ai d'ailleurs acheté en version démat et en version boîte. Il devrait arriver incessamment sous peu pour rejoindre la collection qu'il a de jeux Switch. Je vous fais les très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très du coup sur cette chaîne. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont là si vous souhaitez m'y rejoindre. Et on se dit à très très vite ou pas. Ça dépendra encore toujours de toi, derrière ton écran. Salut, salut.